Salut à tous les amis, c'est J. Donc là, je vous fais une ouverture puisqu'on est le week-end, vous vous en doutez. Enfin, non, vous vous doutez pas que c'est le week-end. Enfin, ça vous le savez déjà, comme dit Alberto Del Rio. Mais vous vous doutez que j'ai acheté des boosters. Et donc, j'ai pas acheté de Pokébox cette fois, j'ai acheté des boosters parce que je préfère avoir des boosters que tout le temps les packs noir et blanc. Voilà quoi, c'est assez chiant en plus. Et donc, j'ai acheté 5 boosters. Pardon, j'ai acheté 5 boosters, un Gold Soul Silver indomptable. Voilà, donc il y en a 5. Il y en a un de Rayquaza. Je sais pas si vous voyez. Rayquaza. Un de Démolas. Deux de Voltali. Et un d'Hermure. Attendez, je vais vous montrer. Donc, Hermure, Rayquaza, Démolos et deux de Voltali. Donc, c'est parti. Donc, je vais commencer par celui d'Hermure. Après, celui de Démolos, peut-être. Enfin, non, déjà, je vais tous les ouvrir comme ça. Donc, c'est parti. Donc, Geoffrey 484 a reçu son Dialga X. Ah, pas mal de booster, l'air pas mal. C'est moi qui l'ai envoyé en cadeau d'anniversaire, mais voilà, l'an prochain tu pourras pas compter sur moi parce que j'ai pas d'autre Dialga. Et finalement, c'est pas que je suis égoïste, mais je sais pas si je te l'aurais envoyé. Ouh, ça a l'air d'être un bon booster, ça aussi la vache. Donc je sais pas si je te l'aurais envoyé finalement. C'est pas que je suis égoïste, c'est parce que je me suis dit, allez, je vais peut-être le racheter pour moi. Putain, lui aussi il a l'air convaincant. Mais après, j'ai été sur le trajet, j'ai vu il coûtait 45 €. Je me suis dit, finalement, je vais peut-être pas l'acheter. Donc, Geoffrey, s'il te plaît, je te demande juste une chose, si tu veux bien. Me filer des protège-cœurs Pokémon. Et si tu as Givrali niveau X aussi, j'adorerais l'avoir, ça serait vachement sympa. Et j'aimerais bien avoir quelques protège-cœurs Pokémon. Enfin, tu n'es pas obligé pour un protège-cœur parce que je veux m'en acheter. Donc tu n'es pas obligé si tu veux pas. Mais si tu veux bien quelques-uns, voilà quoi, ça serait sympa. Donc je te remercie d'avance. Parce que tu m'as dit que tu allais m'envoyer une carte qui me serait utile. Je sais pas laquelle c'est, mais bon. Voilà. Donc, attendez, test. Épée. Et un petit peu moins épais que les autres, mais bon. Bon, on va continuer. Donc, on va prendre, par ordre, on va prendre Hermure, Démolos. Attendez, lequel des Voltali est le plus épais? Ouais, au pire, on va laisser comme ça. Et Rayquaza en dernier. Donc, Hermure, c'est parti. Donc j'espère avoir des bonnes cartes vu que les boosters ont l'air épais. Pourquoi ne pas avoir de bonnes cartes, chers amis? C'est ma mère qui les a pris. J'étais même pas parti avec elle. Je l'avais demandé de m'en acheter comme ça. Elle a bien voulu. Alors on a Tadmorve, Malos, Galekid, Farfuret, un sécateur. Je sais pas si vous voyez bien. Pyroli en reverse. Metalos en rare, ouais. Ténéfix, boîte légendaire, je connais pas. Togetic, et voilà. Bon bah. Pour l'instant, le premier est un mauvais booster. Donc s'ils sont tous comme ça, s'ils ont tous l'air convaincants mais qu'ils ne le sont pas, ça c'est chiant. Parce que c'est. Voilà, ça fait de faux espoirs et ça sera vachement chiant. Donc. Oh, une prime, chers amis, cool! Dans le booster de Démolos. Le Pokémon préféré au cousin Noctuflame. Ou le deuxième Pokémon préféré, je sais plus. Moufouette, Taignon, Evoli, Feu Fort Rêve, Pomme de Pique. Attendez, je regarde. Oh oui! Oh, un que j'avais pas. Oh, génial! Oh! En plus, il y a quelques jours, je me suis dit, j'aimerais bien l'avoir, et bah, j'y ai hyper pensé là, mais ouais. Cool, Cizayox Prime. Cool. Ah oui, mince, excusez-moi, la rare. Ah non, c'est Motisma, la rare. Motisma. J'ai donc un Zarbi et Grotelmorve. Ah, et Fleuriste. Oh, très bon booster, là. Bon, bah, Cizayox Prime, hein. Cool.
toujours une chance incroyable, toujours une prime. Mais il faut pas que je dise ça parce que ça me porte malheur dans les autres boosters. Donc Voltali le premier. C'est parti. Alors on a Galikid, Scorplan, Terral, Misdebol, Evoli, Pomme de Pique en reverse, Magirem en rare, à moitié figurine hein, quand même. Grotem Morve, Ratatak. Attendez, merde. Attendez. Ah non, mince, excusez-moi. Ratatak, Aquali, et voilà. Bon bah, pour l'instant, moyenne ouverture. Enfin, moyenne. Je me comprends. Convaincante quand même, mais bon. Ah, c'est déjà ça une prime, c'est vrai que moi c'est j'ai pas l'habitude de ne pas avoir de prime et tout, donc en quelque sorte voilà, je suis un peu déçu, mais c'est vrai que je peux pas avoir tout quand même. Alors ah non, je crois que c'était une prime là, mais non. Kikli, Animagma, Cornèbre, Farfuret, Pikachu, Evoli en reverse. Je souhaite bonne chance à Articodin qui le chasse au casino. Corbos, Metang, Galgon et Togetic. La partie... attendez que je me souvienne. La partie 7 de Pokémon Emerald va se faire aujourd'hui. Parce que là, j'entraîne mes Pokémon. Masco, je voulais qu'il soit au niveau 25. Il en est rendu. Hirondelle a évolué en Elidel. Je suis désolé. Et il est au niveau 23. Il manque plus qu'à monter Tarsal et Galikid au niveau... 22 et 21, Tarsal est au niveau 19, Galikid est au niveau 18 ou 17, je sais plus. Et j'ai enlevé Balignon de mon équipe. Voilà. Comme ça, je vous tiens au courant, mais normalement, elle devrait être mise ce soir. Donc, dernier booster. Bon, bah, il n'y a pas de bien. Hein. Cornèbre, Evoli, Ramolos, Terral, Pomme de Pique, Scorpion en reverse. Ah, pas mal, il est beau, Dimoré. Guimauré en rare, il est beau. Metang, défenseur. Ah, rune d'alpha, tiens. Cornèbre. Et voilà. Enfin, non, je crois que Cornèbre était déjà, je sais plus. Bref. Bon, bah, moyenne ouverture, hein. Assez moyenne. Enfin, non. C'est une bonne ouverture. Mais c'est que j'ai pas souvent des ouvertures comme ça. Donc, comprenez que ça fait space. Mais sinon, ouais, bonne ouverture, donc, petite récap. Attendez, je vais tous les classer. Attendez, je les classe, hein. Zapper au pire. Hein. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est bientôt prêt. Ding, c'est prêt. Voilà, c'est prêt en plus. Alors, Evoli en reverse, Pomme de Pique, enfin là c'est reverse, Scorplan, Pyroli. Ensuite les rares, putain mais tu me suces toi. Les pédières, tu bosses. Non ça va, elle est chiante, y'a que elle qui tombe. Motisma, Magirev, Dimoré, Corbos, en carte... Oh oui, en rare, quel con. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Metalos. Et oh, regardez une prime. C'est Zayax Prime. Ouais, il est beau. Sauf qu'il a que 100 PV, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais sinon il est beau, il est beau. Donc bah voilà. Donc merci à tous. Donc lui, il ira dans mon classeur. Qui ira dans mon classeur? Bah, je pense que ce sera tout. Ouais. Ce sera tout pour cette ouverture-là. Ce sera le seul qui ira dans mon classeur. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, vu que j'ai le temps. Voilà. Donc mon classeur est là. Je peux pas le mettre sur le bureau parce que j'ai pas assez de place. Et sinon, Réchir va se casser la gueule. Ce qui va casser la gueule du stylet de moustillon et de la figurine. Ah si, Réchir lui provoque une catastrophe à chaque fois qu'il tombe. C'est dingue. Donc attendez, regardez, parce que mon palkia est Dialga. En fait, j'ai Dialga de la box, et j'ai palkia du duel au sommet. Et j'avais Dialga du duel au sommet. Et Dialga du duel au sommet, c'est celui que j'ai envoyé à Geoffrey 484. Donc attendez, donc les primes sont là.
Donc une 100 pv, bon bah ça va aller là. Ah non merde, ça va. L'ouverture elle est derrière. Attendez, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de place. Hop, 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 hop. Hop, ouais, attendez, je crois que c'est celle-là. Hop, hop, ouais, c'est celle-là. Donc voilà, donc une page entière remplie de Prime. Attendez, là-dedans, il y a mes deux typhlosions, non? Ah non. Bah, il est où mon deuxième typhlosion? Bon, je sais pas. attendez, parce que, ouais, là, il y a des... Là, il y a les deux Raikou légendes. Donc là, en fait, il y a trois cartes. Ouais, là, il y a trois cartes. Donc, je vais mettre mon deuxième typhlosion si je le retrouve. Attendez. Hop. Allez. Je vais tenter de le retrouver. Je vais me dépêcher. Il doit être dans sa box. Je vais pas vous dire. Attendez. Ça m'étonne qu'il soit pas là, typhlosion, quand même. Voilà. Mais il doit être dans sa box. Je ne l'ai pas mis, il faut que je le mette, c'est une belle carte. Non, bah désolé, mais c'est, j'ai retrouvé un Absol G, un Absol Galactique, qui est vraiment très très beau, il est vraiment très très beau, il est en dolo rare, il est vraiment très très beau. Donc ça c'est la Pokébox du Typhlosion, peut-être la Pokébox Arceus, ça t'arrête. Non, il y a la Pokébox Arceus, il n'y est pas, c'est certain. Peut-être dans la deuxième box de Typhlosion. Alors. Ah ouais, il est là, je le vois. Eh, il se fait la malle. Le voilà, ce cher petit Typhlosion. Viens là, toi. Voilà. Hop. Donc c'est là où il y a le manque des figurines de Gigi. C'est là où il y a mes figurines. Donc je vais mettre Absol et Typhlosion et on se quittera. Aïe, oh putain, mon pied, connasse. Tu la sens bien. Ah la vache, chalate. Bon. Donc, mon deuxième Typhlosion. Voilà. Donc là, allez. Donc là, il y a deux Typhlosions. Je vais le mettre par-dessus. Hop. Et Absol G. Il est vraiment super classe, lui. Vraiment, j'ai pas envie de l'échanger. Il est vraiment très classe. Donc, en holo, elles sont les holos. Les Shiny, X, Arceus, holo. Alors, holo de 70 pb. Oh merde, je le sens mal ce coup. Ah, les connards. Oh, les petites brutes. Ah, merde. Il va falloir que je rajoute des places, là. Donc, bah, je vais pas pouvoir le faire en votre compagnie. Je suis vraiment désolé. Donc, je vous dis rendez-vous à plus pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera sûrement... la partie 7 d'Emerald, donc l'arène de Myokara. Je ferai que la partie 7 pour aujourd'hui, la partie 8 ce sera demain, parce que en raison que ce soir il y aura peut-être une vidéo test. Voilà, je le dis tout de suite. Et finalement j'ai changé d'avis, je vais faire l'épopée de Mario Kart Double Dash, parce que c'est un vieux jeu et tout, et c'est un jeu que j'adore, donc je vais le remettre à niveau en quelque sorte, enfin je vais le remettre dans notre monde pour qu'il redevienne un bon jeu, quoi, parce que tout le monde l'a oublié, quoi. Et ben voilà, donc du coup je ferai l'épopée de Mario Kart Double Dash, mais ça ce sera après l'épopée de Pokémon Emerald, et l'épopée de Pokémon Emerald elle est encore loin d'être finie, chers amis. Pardon. Donc ben voilà, donc ce soir vidéo test 2, et ben je ne sais pas. Vidéo test de... Bah, en fait j'avais pensé à Mario Kart Double Dash, mais bon, vu que je fais l'épopée, peut-être vidéo test de Mario Kart, oui, je vois que ça. Peut-être vidéo test de... Attendez que je cherche dans le jeu de Wii. Ou peut-être vidéo test de Wii Sport Resort, vu que j'ai fait la vidéo test de Wii Sport. Et Wii Sport Resort est vraiment un très bon jeu. Sauf que ouais, l'épopée durera plus d'une heure, parce que s'il faut que je fasse comme Wii Sport. Ah non, non, oui, mais il y a pas de mode d'entraînement, je crois, dans le... ouais, il n'y a pas de mode d'entraînement.
Ouais, mais bon, ça fait à peu près pareil. La vidéo durera sans doute plus d'une heure. Donc parce qu'en fait, dans Wii Sport, il y a trois catégories pour chaque sport. Donc voilà, donc je sais pas si je ferai les trois catégories dans les trois sports. Si, ouais, je pense qu'on aura le temps. Parce qu'en fait, il y a 9 sports, je crois, ou 12, je sais plus. Ouais, merde, je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc ce sera sûrement de Wii Sport Resort. Donc la prochaine vidéo test c'est de Wii Sport Resort. Et ce sera sûrement ce soir. Mais peut-être pas, mais je vais essayer ce soir. Je vous tiens au courant avec la partie 7 de Pokémon Emerald ce soir. Donc voilà, donc merci à tous et à la prochaine vidéo. À ce soir, salut!